Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Soir Cool, Mike et en personne aussi. Donc aujourd'hui on va faire un opening parce que j'ai reçu mon clavier souris et mes 8 Go de RAM. Donc voilà pour le PC, donc c'est au top. Alors tout d'abord je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont participé à la barre de dons. Donc qui sont 187 Code, Amnesia, Drop Dead Boy, Johnny 34, Audrey Marley, Stéphane, Blackfire, Predator, Le Gamer du 59, Boboy, Eshtar et Momin. Voilà, vous êtes beaucoup à avoir participé, donc merci à tous ceux qui ont participé, ça me fait extrêmement plaisir. Et grâce à vous, c'est mon cadeau de Noël. Donc là, vous verrez la vidéo le 24, donc je vous souhaite à tous un joyeux réveillon et un joyeux Noël, les potos. Donc voilà, donc on va passer à l'opening directement tout de suite, sans perdre de temps, c'est parti. Et voilà, donc j'ai tout déballé, la caisse, on s'en bat les couilles. Donc j'avais oublié que j'avais commandé un disque dur de 3 Tera, parce qu'en fait mon PC à la base il avait que 150 Go, même pas 120, 110, je sais pas, 110 Go de processeur, enfin d'ordinateur, quoi, je sais pas trop, je m'y connais pas trop. Et puis un jour Drop Dead Boy il a pris le contrôle de mon PC et bam il a trouvé 350 Go qui dormaient en fait dans mon ordinateur parce que tout simplement ils n'étaient pas activés. Donc ça c'était vraiment ouf quoi. Alors il m'a libéré ça. Mais bon, j'avais quand même j'avais déjà commandé mon disque dur de 3 Tera. Ah non, de 4 Terabytes, donc 4000 Gigas. Donc je vais quand même m'en servir, ça va m'être utile pour stocker toutes mes photos, toutes mes vidéos, tous mes gameplays. Si j'ai envie d'enregistrer 24 heures de gameplay, maintenant je peux, c'est génial. Je vais pouvoir galérer à retrouver les moments que je cherche dans 24 heures, ça c'est sûr, MDF. Mais franchement, un énorme merci à Drop Dead Boy qui m'a conseillé d'acheter... tous les articles que vous voyez, c'est lui qui m'a conseillé de les acheter. Donc je lui ai demandé ce que je voulais à un prix raisonnable et c'est lui qui me les a conseillés. Donc si vous êtes intéressé par un des objets, je vous mettrai le lien en description. Normalement qualité-prix c'est très bien pour commencer. Donc voilà, alors je vous mettrai tout en description, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Donc un disque dur USB 3.0 4 TB de la marque Transcend, magnifique, on va l'ouvrir juste après. Alors ici j'ai acheté une souris Corsair. Pourquoi j'ai acheté du Corsair? Parce que le clavier aussi est en Corsair, ben, tout simplement parce que Drop Dead Boy, mon boy, ma boy, il est en partenariat avec Corsair. Donc il m'a proposé des produits Corsair tout simplement, c'est totalement normal. J'aurais fait pareil avec mon partenariat s'il m'aurait posé une question, genre un accessoire de PlayStation, je l'aurais envoyé chez SteelGamer. Donc voilà, avec mon code promo qui est en description. Alors, j'ouvrirai la souris juste après. Et le fameux clavier qui change de couleur et tout, je l'ouvrirai aussi après. Donc, c'est un clavier Corsair aussi. Donc, si vous voulez savoir le type de clavier, c'est le K55 RGB. Donc, voilà, je pense que c'est la référence. Mais de toute façon, tout sera en description. Alors, la souris, c'est une Harpoon. Souris Harpoon Corsair Gaming. Voilà. Alors, elle a 6K de DPI. Donc 6000 DPI, 25 grammes, elle pèse 25 grammes et dynamique multicolore. Donc elle change de couleur. Waouh. Donc voilà. Donc elle ressemble un peu à ça. Mais de toute façon, vous verrez bien, je vais ouvrir tout après. Et ça va venir les deux barrettes de RAM, donc 4 et 4 Go. Donc ça va me faire 8 Go. Maintenant, mon PC il va peut-être moins ramer. Donc ça, c'est bien. Donc je sais plus, je pense que moi je suis en DDR4 ou DDR3. Enfin, un des deux. Je suis dans l'ancienne génération, donc c'est des spéciales DDR3 ou DDR4. Attendez, je regarde pour voir s'ils me le disent. A few moments later. J'en sais rien du tout. Donc voilà, enfin bref. En tous les cas, ces deux barrettes de RAM vont bien m'aider à, pour la rapidité, surtout quand j'upload des vidéos, enfin quand je fais un rendu en 1080 pouces des vidéos, puis même mon PC va peut-être arrêter de s'éteindre, je sais pas du tout. Je ne connais pas encore assez. Mais je suis impatient de les mettre dans mon PC pour voir la différence. Alors maintenant, je vais tout ouvrir, tout déballer, comme ça je vais pouvoir bien toucher à l'objet et bien vous le montrer. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout déballé et première chose que je vais vous présenter, ben, c'est tout simplement les barrettes de 4 Go de RAM. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben, c'est un truc qui va dans le PC, sert à accélérer ton PC. Donc là, j'avais 8 Go de RAM sur mon PC, mais c'était pas assez, ça ramait de ouf, même pour faire un rendu de vidéo, ça prend du temps, etc. Même mon PC, il arrêtait tout court parce que sans ça, si ça surchauffe,
ou si ça casse ou s'il n'y en a pas, tout simplement, bah, votre PC ne peut pas démarrer. Parce que c'est ça sa vitesse de démarrage en fait. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, je ne suis pas un expert. Mais en tous les cas, je vais les mettre de côté parce que si je les casse, je vais avoir le seum de ouf quoi. Voilà, on va les mettre en lieu sûr. Là, je suis sûr que personne ne va les casser. Que moi, je ne vais pas les casser surtout. Alors, deuxième chose que je vais vous montrer, ben, c'est le disque dur. Je suis assez surpris du poids. Celui-là, il ne pèse pas 85 grammes, ça non, pas du tout. Il pèse franchement, on va dire, un bon kilo. Franchement, un bon kilo, même plus. Et je suis impressionné du poids. Mais bon, ce qui m'impressionne encore le plus, c'est que c'est sur batterie. C'est sur secteur, alimentation. Donc là, je suis choqué. Moi, j'ai toujours eu des disques durs externes avec une prise USB, quoi. Comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci. Mais j'ai jamais eu une prise d'alimentation. D'un autre côté, ce que je me suis dit, c'est que si c'est sur alimentation et pas connecté à l'ordinateur, si l'ordinateur plante, se déconnecte tout seul, ben au moins le disque dur va pas être endommagé. Parce qu'il est sur secteur, il sera toujours alimenté. Et je pense que ça évite les problèmes. Donc je pense que c'est un très bon achat. Donc merci à Drop Dead Boy de m'avoir conseillé cet achat. Et franchement, si vous voulez acheter un disque dur externe uniquement pour stocker toutes vos vidéos, toutes vos photos et tout truc perso, eh ben prenez un disque dur sur alimentation. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'endommager. Parce que si ça, ça casse, bah, après, c'est fini. Hein. Tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que tu as perdu tous tes souvenirs, tu as tout perdu. Quoi. Donc il faut vraiment un truc solide. Donc je vous conseille vraiment ça et je vous mettrai les liens en description si jamais vous êtes intéressé. Donc les barrettes, le disque dur et tout ça, je brancherai plus tard. Même le Corsair, le clavier Corsair, je vais peut-être le brancher pour vous montrer les lumières. Donc voilà, mais le disque dur, je ne vais pas le brancher maintenant. Je vais peut-être uniquement brancher le clavier et la souris. Donc là, je vais vous montrer la souris Corsair. Donc voilà, un classique, un clic gauche, un clic droit, un clic sur le milieu ici. Un clic là, donc on va déjà enlever ce petit plastique parce que moi le plastique, je m'en bats les steaks. Oh my god! Ah voilà, c'est bon. Ah, il y en a encore un là. Je vais en mettre partout ces petits trucs là. Alors, un clic, deux clics plutôt, ici, sur le côté gauche de la souris, deux clics. Donc c'est vraiment une souris gamer quoi, hein. C'est vraiment spécialisé gamer. Par USB, hein, normal. Donc on va le brancher pour voir si elle fait de la lumière. Effectivement, elle fait de la lumière juste ici. Donc je pense que je vais pouvoir changer les couleurs. Je pense même qu'elle va pouvoir faire un dégradé de rouge, bleu, vert, jaune, toute seule, automatiquement. Donc franchement, ça, c'est ma souris sans fil. Une souris de merde, le poteau. Mais c'est assez pratique, c'est sans fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur mon deuxième PC portable que j'utilise que pour la TV. Et comme ça, quand je serai dans mon lit, je vais pouvoir changer, choisir... naviguer sur mon PC quoi, au calme quoi. Donc voilà, franchement en main, ah ouais si franchement elle est bien. Alors au niveau, oh putain mon pote, c'est pas une roulette ça, c'est une roue les mecs, ils ont mis un pneu carrément, c'est un pneu sa mère, je te jure c'est un truc de fou ça, putain. Regarde ma roulette, ça c'est ma roulette. Et ça, c'est la roulette du turfu. Je peux même la tourner d'en bas, t'as vu ça ou quoi? C'est n'importe quoi. Franchement, merci. Un million de merci à tous ceux qui ont fait des dons. Et un million de merci à Drop Dead Boy pour m'avoir conseillé cette magnifique souris. Alors maintenant, le plus ouf. Parce qu'en fait, moi, j'ai un clavier sans fil. J'ai tout sans fil, moi. Maintenant, je me retrouve qu'avec des fils. Mais c'est pas grave. Mais j'avais un clavier mécanique. Et est-ce que... C'est un clavier mécanique aussi. De toute façon, il me l'avait dit, Drop Dead Boy. Je vais te prendre un clavier mécanique parce que je sais que t'aimes bien les claviers mécaniques. Moment de testage. Ok, je suis pas un professionnel, mais je crois que celui-là est mieux. À 100% même. Donc après, il faudra quand même que je m'habitue parce que je pense que les touches, elles sont plus resserrées ici. Elles sont beaucoup plus fines, plus petites que les autres. Ouais, les autres que j'ai, elles sont beaucoup plus larges. Enfin, quoi, pas de ouf non plus. Mais celle-là, je sais pas, ça va changer. Il va falloir que je m'habitue. Mais ce qui est bien avec ce clavier, c'est qu'ici j'ai pu installer un truc, attendez. Ici j'ai pu installer un truc, ouais, désolé en fait vous voyez pas quand je montre en bas. Donc, désolé pour mon expérience débutante MDR. Donc là j'ai pu installer un truc, ça c'est vraiment pas mal. Sûrement pour les poignets. Ouais pour les poignets, ouais c'est cool, franchement c'est vraiment cool. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le brancher. Et vous allez voir que normalement lui aussi il fait des lumières, ça va être ouf. Donc je vais juste enlever ça, question pratique. Que j'ai pas envie, ça va me gêner pendant que je vous le montre. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, j'ai cru que je l'avais cassé. Oh my god. Et voilà les potos. Vous voulez voir dans le noir? Regardez dans le noir.
Tadam! Il est beau, hein? Il est beau. Franchement, c'est la classe. Et je pense que je peux choisir les couleurs que je veux. Donc il faudra que je demande à Drop Dead Boy comment faire. Je peux choisir vraiment. Je peux le personnaliser, quoi. C'est vraiment ouf. Ça fait plaisir. Et en plus, l'avantage de ce clavier, et que l'autre n'avait pas, c'est qu'on voit les touches, on voit sur quoi on appuie. Et ça, c'est le truc le plus ouf, les mecs. Parce que enfin, je vais pouvoir voir clair pendant la nuit. Je vais pas devoir mettre un spot au-dessus de ma tête pour écrire et réveiller ma femme qui dort. Donc voilà. Et voilà les amis, j'ai tout ouvert, j'ai tout présenté, j'ai fait l'unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker les potos, de partager au monde entier pour que je sois le youtubeur le plus connu du monde et que je dépasse Squeezie, Cyprien, Norman. Non, je rigole les mecs. Partagez ma chaîne si vous avez envie, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites ce que vous voulez les potos, je vous oblige à rien. Mais n'oubliez pas le petit like pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.